pour l'épisode 3 du let's play de DCSS. Donc, on va reprendre notre petit personnage, Lort. Donc, si je me souviens bien, on est arrivé, mais on avait quelques scrolls et potions à essayer. Donc, on va tout de suite essayer les scrolls, comme d'habitude. Donc, le T. Ah. Normalement, j'ai déjà le Scroll of Identity, donc ça va être un... Allez, on va dire que ça va être un Enchantrobe, donc bien et bien, on va prendre la M. Et il ne s'est rien passé, donc je me suis couré. Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Je sais pas. Bon, on va essayer les potions maintenant. Je vais regarder, je sais plus comment ça se prononce encore, ça. Donc en potion, par exemple, j'ai le B. Coiff, Q-A-F-F, ça veut dire une lampée, boire en fait. Donc c'est complètement logique. Donc le B, une potion de poison, c'est pas très intéressant. Le P, une potion de confusion, c'est trop fort. Bon, a priori ça a pas trop agi, ou alors il m'a passé le temps, je sais pas. Mais du coup j'ai pas l'effet ici là. Bon. Donc on va dropper tout ça, puisque ça sert à rien, hein, d'accord. Donc déjà le J, que j'ai gardé, je sais pas. Ah non, il est cursed, non, et j'ai rien dit, le J il est bien. Il est cursed, mais son pouvoir est intéressant. Par contre le B, la potion de poison, on ne voit pas dans quelle situation je peux en avoir besoin. Ok, il y a toujours le Q, l'amulette de clarté, clarity, qui théoriquement me protège contre la confusion. Ah bah c'était pour ça que je l'ai pas vu. Ah du coup ça marche, c'est cool. Comme quoi en expliquant. Bon, je vais reprendre l'exploration en attendant. Mais je me demande si je peux rentrer en rage. Ça m'embête de rentrer en rage juste pour tester comme ça, sans qu'il y ait d'ennemis, plus ou moins puissants. Donc je pense que dès que je tombe sur un petit groupe d'orques, ou quelque chose du même niveau, du même acabit, je vais me mettre en rage juste pour tester. Oh tiens, voilà, très bien, allez. J'attends qu'ils approchent quand même. Voilà, et j'attaque. Donc, je peux me mettre en rage sans problème, ça c'est super cool. Donc, très bonne amulette pour moi. Allez, on va récupérer les robes. Là, je risque d'en avoir un gros paquet de robes. Parce que, à chaque fois, enfin, je sais pas ce que c'est comme type de personnage, d'ailleurs, j'ai même pas regardé. Mais ils ont toujours des robes, tu vois. Donc, bon, autant ramasser une petite blinde et tester tout ça. Donc, la dague, non. J'attends de... Ouais. J'attends d'être un petit peu meilleure forme avant de les essayer. Histoire que si je sois équipé d'une robe mauvaise et qu'elle soit cursed. Ça dure longtemps de drain, je sais plus, je crois que ça baisse une de mes caractéristiques. Je sais plus ce que ça fait, mais c'est pas bon. Et ça dure longtemps, il me semble, donc je vais l'ignorer. Ah, plus de bouffe. Enfin, plus de bouffe périssable. Bon, je vais essayer mes robes. Alors, on va essayer la B. Rien de spécial, on va essayer la M. Rien de spécial, on va essayer la B. Rien de spécial, on va essayer la S. Rien de spécial non plus, c'est tout le reste. Donc B, N, N, P. Et on reprend l'exploration. Ça peut donner de la viande, ce qui serait plutôt bien. Et ben non, pas de chance. Tiens, un nouveau scroll qu'il faudra tester. Je sais pas s'il y a un rapport entre le fait de ma force actuelle, le niveau des monstres pour qu'il laisse un corps ou pas. C'est vrai que j'ai l'impression que il n'y a pas un seul qui va me laisser un corps. Oh, très bien ça. Voilà, il me reste même un de viande en rab, ça c'est cool. Alors, brûle le livre. Petit bug là, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ah, d'accord. Il y a, j'ai pas compris. Il y a une quelque chose d'invisible. Ouais, il est à ma droite là, parce que je viens d'essayer d'y aller et j'ai pas réussi à l'avoir. Ouf, ah oui quand même. Bon, a priori ça se passe bien. J'aurais su que c'est... Ah non, c'est pas mort. Je passe gaffe. Là c'est bon. Ok. Alors là, ok. Water. Ah oui, d'accord. C'est une bête d'eau, du coup, je suis dans l'eau. Ah, il y a une fois, cette bête-là, elle m'a laissé... Ou alors il y avait déjà de l'eau ici, je sais pas. Elle m'a laissé une viande de mutagène. C'est comme une potion de mutation, en fait. C'est marrant, j'aime bien muter. Mais... Une partie où j'avais arrêté de muter, j'étais devenu assez barbare, rien qu'avec mes caractéristiques de personnage. C'était marrant, quoi. Je tapais fort, j'étais très habile. Grosse armure, résistant au froid, au chaud. Enfin, ma chair était résistante au froid, au chaud. C'était assez fun. Ah, d'accord. C'était des pierres poison, étrange. Bon, de toute façon, l'armure, je ne peux pas la mettre. Je le vois ici, en fait. Quand c'est pas écrit en blanc, quand c'est écrit en gris, comme ça, c'est que c'est des objets que on ne peut pas équiper. Ah, petit escalier. Bien ça. Trois de bouffe. Allez, tous les autres corps, on les sacrifiera. Toujours rien de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à explorer là sur la mini-map? Bah, quasiment rien. Juste que j'ai par là. Oh, je l'ai pas vu, mince. Voilà, bon, bah, pour moi, on a tout fait. On va descendre. Oui, c'est bien, là. C'est pas loin. Hop. Ok, on va tester le parchemin que j'ai ramassé. Donc le B. Ouf! Ah, c'est puissant ça! J'en ai jamais eu, je crois. C'est quoi? Scroll of Summoning. Intéressant. Il m'attaque? Non, il m'attaque pas, j'ai déjà usé. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer en fait. Je vais y aller par un auto-explore pour essayer d'optimiser mes déplacements. Histoire de profiter un peu de ma meute. Bon, allez. Ouais, je commence déjà à perdre ma note. Et oui, Trog accepte aussi les morts faits par vos invocations, vos frères d'armes, etc. Il appelle ça des collateral kill. Donc, les meurtres que vous n'avez pas perpétrés par vous-même, mais qui sont quand même dus à vous. Ok. Donc, est-ce qu'il me reste vraiment des trucs à... Non, bon, je fais idiot. J'ai rien à évoquer non plus. Ok, bon, on va juste explorer. Alors, je voulais revenir à l'escalier histoire de pouvoir tester les autres scrolls ou quoi, mais là j'avais quasiment rien testé. Donc là, on le tente. Ok. Ah. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ouais. Alors, on reste deux de bouffe. On va sacrifier ce corps. Les fantômes ils me gonflent aussi, je téléporte sans arrêt du coup, vu que ils sont pas trop dangereux pour mon troll, je marche, j'attends qu'ils arrivent à me rattraper et je vais taper ce moment-là. Un peu comme les chauves-souris. Ah bien. Voilà. Bon, hop. Et niveau 9, c'est bien. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, ça se spécialise plutôt dans le dodging. Bon, c'est pas mal. Oui, autre chose qu'on peut prendre souvent, c'est des boucliers. Plutôt des petits boucliers d'ailleurs, en général. Je sais pas pourquoi. Et ça permet d'avoir un petit peu une défense, quoi. Parce que sinon, on est un peu juste. Un peu de trucs explorer, ça sera pas de mal. Ah, là j'appuie sur P sans faire exprès. Donc j'ai juste pris mon dieu sans autre. Sans sacrifice quoi. Bon. Je suis pas sûr que ça fasse monter grand chose. Alors ça me rotten, mais je suis pas immunisé rotten, donc c'est pas bon. Donc, rotten, ça veut dire ça me pourrit quoi. Je commence à me décomposer comme un zombie. Et c'est jamais très bon. Un nouveau scroll que je connais pas.
Alors ça c'est gros, mais je l'ai déjà pas mal, comme vérifier. Je suis dans le jeu, ça devrait pouvoir le faire largement. Voilà. Pardon, je me vois un peu enroué aujourd'hui. Ouf. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va se mettre berserk dans pas longtemps. Migraine, dangereux, résistant, changement, c'est rapide. Peut voler, c'est gros. Plus petit, moins redoutable. D'accord, c'est quand même pas un vrai dragon, quoi. Ok. Bon, ben, on va quand même se mettre berserk, hein, on va pas prendre de risque. Je peux, nickel. Ben non, je passe tout seul, a priori. Bon, c'est cool, ça. Alors, oui, je peux pas explorer auto, forcément. Target, new view. Il n'y a pas de target, oui. Je lui demande d'attaquer, sauf que je voulais auto-explore, du coup, forcément. Ça marche pas, génial, génial. Ouais, on va se faire explorer les autres. Ah, il y a du monde, quand même. On va se mettre là. On va taper. On va même reculer, parce que je sens que je suis dans la merde, en fait. C'est rapide ce truc, j'aurais dû regarder, j'ai été con en fait. J'ai pas dit un peu ce que ça valait cette histoire. C'est quoi ça? Dangereux, canidé, forêt sauvage, ok. Ça c'est quoi? Un gnoll d'aspect robuste, portant une de ses anciens chiens de guerre. Bon. Bon allez, on peut craquer encore un. Ouais. On peut craquer encore une petite rage berserk pour assurer le coup. Oh putain, ça fait mal. Le problème, c'est que là, j'aurais bien niqué quand même. Bon, ça c'est fait. J'ai des potions de soins. Non, j'ai que des potions de curing. C'est pas très très puissant. Maintenant, je suis là en plus. De toute façon, si j'essaie de m'enfuir, ou alors j'essaie de choper l'escalier et de descendre. Ou alors j'essaie de leur faire peur. Ouais, c'est con, on essaie d'avoir l'escalier. C'est un peu. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là, le mauvais coup. Ils sont rapides et je suis lent. J'aurais dû réfléchir. Parce que là, si je descends, j'embarque tout le monde avec moi. En plus, ils vont attaquer gratuitement. C'est pas bon ça. Parchemin de peur. Je vois que ça. Je ne vois que ça. Bon, c'est cool, ça déjà, il y en a deux qui se barrent. Il y en a un qui me mange en attendant. Je vais peut-être crever. Putain, je suis mort. Fais chier! Ah! Ah! Bon. Et du coup, ça aurait été une vidéo assez courte. Je vous dis que j'étais pas bon. Hein. Je fais quel niveau là? Oh, j'ai quand même fait de meilleures parties par le passé. Je suis à quel niveau? Je suis. Je ne sais plus, un truc. Donjon 8. Bon, c'est pas grand chose. Ah! Bon. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il peut me rappeler de beau? Ouais, j'avais un scroll. Pff, super. Ouais, attends, je pensais à utiliser un scroll inconnu, mais entre le scroll d'immolation et le scroll de bruit, rien de bien intéressant, quoi. Pas de regret à ce niveau-là. Comment j'aurais pu faire? Ouais, je sais pas. Ils sont costauds quand même. Ouais, bon, après j'avais pas grand chose. Potion of Restorability. Ah, ça peut être pas mal. Je sais pas si ça soigne le Exhausted. Peut-être ça. Parce que j'aurais pu me remettre en rage. J'aurais peut-être pu me les prendre un à un, même s'il ne restait pas beaucoup de vie. Dans le couloir. Possible. Bon, pas brillant. Bon. Voilà, alors on efface le nom, on trouvera un autre la prochaine fois. Alors je vais pas jouer des trolls berserk à chaque fois, c'était juste pour ma première vidéo. De toute façon je sais pas bien jouer, donc les saisons risquent de pas être très très longues à chaque fois. Mais je pense que je vais utiliser la fonctionnalité de Dungeon Crawl pour choisir une combinaison valable. Au hasard, mais valable. Et vu que je sais pas jouer, je vais découvrir plein de trucs, je vais me faire défoncer, mais. Comme ça, vous pourrez me donner des conseils pour que j'avance un petit peu sur d'autres races, parce que le troll berserk au bout d'une quinzaine de parties, c'est marrant, mais bon. Bon.
Et ben on finit la saison sur cet épisode. Un peu déçu quand même. Je voulais aller plus loin, mais j'ai été trop téméraire. Allez, à la prochaine!